Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on va ouvrir une boîte, un coffret très spécial Tsum Tsum. Donc je vous explique un petit peu, il y a un programme d'abonnement aux États-Unis qui s'appelle la Subscription Box Tsum Tsum et j'y ai souscrit avec ma copine Petit Quick et je recevais mes Tsum Tsum chez elle, enfin là où elle habitait aux États-Unis parce que pendant un temps elle était aux États-Unis et du coup comme là elle est rentrée en France, du coup on a dû trouver une autre solution pour se faire livrer et j'ai utilisé un site qui a redirigé mon colis en France. Donc c'est la première subscription box que je vais ouvrir et découvrir en direct avec vous. Les autres, je m'étais spoil parce que du coup j'allais pas les recevoir avant très très longtemps, mais celle-là je ne connais pas le contenu et j'avais juste trop envie de découvrir au moins une box avec vous. J'ai eu de la chance parce que du coup je me suis pas du tout fait spoiler sur les réseaux sociaux et ça c'est vraiment cool. J'ai essayé de pas trop aller non plus sur les groupes pour ne pas voir tout ça et du coup on va ouvrir ça ensemble, on va découvrir la nouvelle box ensemble. Alors je sais pas du tout comment ça s'ouvre, par contre je ne vois pas ouais. Bon, on va tenter d'ouvrir ça comme ça. Oui, je sais pas. Bon, ouais, comme ça, ok. Donc du coup ça s'ouvre juste là, hop, et on va découvrir ensemble cette box. Franchement je suis trop contente quoi. Ok, donc du coup quand on l'ouvre ça se présente comme ceci à l'intérieur. J'espère que ça va pas être genre Star Wars. C'est le seul truc que j'espère, c'est que ça va pas être du Star Wars parce que je suis pas très très fan de Star Wars. Du coup, là c'est le bon de commande. Là on va avoir un petit, une petite pub et ça se présente comme ceci à l'intérieur du coup. Voilà. Et on va avoir le set. Alors on peut avoir plusieurs choses avec la subscription box. On peut avoir soit 3 mini Tsum Tsum, 6 micro Tsum Tsum, une scène de film. Donc comme on avait eu, je vous avais déjà présenté un Bernard et Bianca avec Edwige, je sais plus comment s'appelait l'oiseau, je crois que c'est un truc du style. Donc voilà, on peut avoir ça. On a eu un bateau il y a pas longtemps avec la petite sirène et son prince qui sont en train de s'embrasser, enfin vraiment génial. Et du coup, on va voir ce qu'on a maintenant. Je suis trop contente. Allez. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Là, on a un tout petit paquet Tsum Tsum. Vous voyez, avec un autocollant Tsum Tsum. Ok, donc déjà, c'est petit. Je ne sais pas ce que c'est. On va essayer de ne pas trop abîmer l'autocollant. Franchement, je me suis dit que ce serait cool de faire au moins une fois un unboxing avec vous de cette box parce que bah, je trouve ça trop cool ce principe de box surprise qu'on reçoit chaque mois. Donc ça coûte 25$ frais de port compris je crois, donc après moi je repaye d'autres frais de port pour la faire livrer en France, mais c'est pas excessivement cher. Allez, on arrête le suspense, c'est parti. Oh là 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 là, ok, alors je ne m'y attendais pas du tout, je ne m'y attendais pas, je vous présente tout de suite. Donc il s'agit de 3 mini Tsum Tsum. Oh là 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 là, waouh, ok, oh là là, mais je pensais pas du tout à ça, mais vraiment, je pensais à rien d'ailleurs, mais oh, c'est génial. Donc ces 3 mini Tsum Tsum, je crois que c'est la première fois qu'on a voilà, ce lot. Donc d'habitude, enfin on a déjà eu 6 micro Tsum Tsum, on a déjà eu une histoire, enfin un truc de film, mais je crois qu'on n'avait jamais eu 3 mini Tsum Tsum. Et là, ça envoie du lourd. Franchement, j'avais vu un petit peu quelques Tsum Tsum, ces deux-là, passer vite fait, hein, vu qu'on les voit un petit peu en avance, mais on ne sait pas du tout comment ils vont sortir. Et je ne pensais pas du tout qu'ils allaient sortir dans une subscription box, le troisième, je ne le connais pas du tout. Donc là, on a une espèce de petit tag, juste là. Donc là, en l'occurrence, il s'agit hop, je pose ça là. Il s'agit de 3 petits Tsum Tsum de Cusco. Donc pour ceux qui connaissent Cusco, moi j'adore personnellement ce dessin animé Disney. Je le trouve vraiment trop cool, donc je suis ravie. Donc là, on va avoir Yzma, vous voyez, Kronk, juste là, et Cusco en lama. Donc voilà, franchement trop cool. Je pense que vous voyez bien, j'espère. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc, a special collection of characters from Disney, the Emperor New Groove. Donc, ça doit être Cusco l'empereur, le nouvel empereur, quelque chose comme ça. Et ces 3, oh là là, mais ils sont trop beaux, quoi. Donc, je vous présente d'abord Yzma. Donc, Yzma se présente comme ceci. Elle est trop belle.
Elle est trop belle. Là, vous la voyez peut-être un petit peu plus claire. Voilà, elle est comme ça avec son chapeau, son espèce de chapeau. Elle a des petites boucles d'oreilles. Adorable. Et le derrière se présente comme ça. Tout noir. Donc voilà, pour Isma. Très sympa. Trop belle, quoi. Magnifique. Ensuite, on va avoir Kronk. Non, mais c'est génial. Franchement, je suis trop contente. Surtout que c'est des Tsum Tsum que je voulais absolument. Donc, je pensais qu'ils allaient sortir dans une série, une future série. Et au final, non. Donc, ça veut dire que j'aurais pas été abonnée à cette box. J'aurais galéré à les avoir. En plus, je pense qu'ils vont coûter un petit peu cher. Du coup, si je voulais me les procurer directement chez des vendeurs. Donc, Kronk, très sympa. Donc, avec son casque sur la tête. Génial, je m'attendais pas du tout à ça, je suis trop contente. Et pour finir, lui, il est génial, il est mais d'une douceur, mais vraiment, il est tout doux, c'est incroyable. Il s'agit de Cusco, qui est juste là. Waouh. Oh. Donc Cusco, qui, vous le voyez, hein, là, vous le voyez direct avec sa fourrure. Qu'il est vraiment tout, tout doux. C'est hallucinant. Il est beaucoup plus doux que d'habitude. Franchement, je suis choquée. C'est vraiment un truc de ouf. Et il est trop bien fait, quoi. Avec sa petite crête, ses petites oreilles. Donc, c'est Cusco en version lama. Donc, je sais pas si on avait vu une version de Cusco normale. Je crois pas. Donc, c'est super original, quoi. Yzma et Kronk, donc les deux méchants. Et Cusco, du coup, version lama, qui est vraiment super original. Je suis trop fan. Je suis trop contente de ce... Cette subscription box, donc 3 mini Tsum Tsum qui s'ajoutent à ma collection, qui je pense vont devenir très rares, à mon avis. Hein. Franchement, je pense qu'ils vont devenir très rares. Donc voilà, je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces mini Tsum Tsum qui sont vraiment exclusifs à cette box. Vous pourrez vous les procurer que soit en ayant la box, soit sur eBay avec les revendeurs, mais ils ne seront pas disponibles dans les Disney Store, en tout cas en France, même aux États-Unis. Hein. Faut vraiment s'inscrire à la box, faire relivrer en France, c'est une galère, mais je suis trop trop contente de les avoir reçus. Pour ceux qui veulent savoir en tout, j'en ai eu donc pour 25$ à la base, donc le prix normal. Et après, au niveau des frais de port, j'ai payé 10 ou 11$. Donc au final, ça me revient à 35$ pour ces trois Tsum Tsum. Mais franchement, j'adore. Je suis trop contente. Je suis ravie. Franchement. Je pense que ça se voit, je pense que vous l'avez vu, vous avez compris, j'adore. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo pour aujourd'hui niveau Tsum Tsum, mais j'avais très envie de partager ça avec vous. Si vous voulez que je vous rouvre les prochaines subscription box, vu qu'il en sort une par mois, il y aurait une vidéo sur 4 Tsum Tsum sur cette box, eh bien n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus en bas de la vidéo. Voilà, j'estime que s'il y a plus de 2000 pouces bleus, eh bien c'est que ça vous plaît et que vous voulez que je vous rouvre une prochaine subscription box et qu'on ait encore la surprise tous ensemble pour ceux qui ne se spoilent pas ou qui ne connaissent pas le concept tout simplement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Yzma, Kronk ou Cusco en version lama qui est vraiment génialissime. Je suis trop contente. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt.